I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. Vas-y, mais non, mais je regarde, moi ça m'énerve. On vient de rater la plus grosse occasion de notre vie, je crois. Parler à un sculpteur de Fairy Green. Antoine, Ska qui est toujours persuadé qu'il faut y aller. Mais oui. Bah, il est en train de parler avec ses potes et bouffer depuis tout à l'heure. Il a fini de bouffer. Hein. Il a fini de bouffer, dit Antoine. Parler, hein. Mais il parle avec tous ses potes. Ses potes mangent. Moi, je propose qu'on aille manger, Antoine. Regarde tout ce qui nous attend. Tout ce qui nous attend. Je veux pas, j'ai... Il est là-bas, exactement. Hein. Là, c'est pour créer sa table. On va faire ça tout à l'heure. On vous montrera aussi. Hein. En petit, parce que, à mon avis, on pourra pas filmer tout le temps. Alors là, c'est le Golden Demon. On a là tout le stand de vente, ça fait un peu beaucoup. Là, tous les trucs du jeu. Et là, c'est notre... Allez, s'il te plaît, Emily. I walk alone, I walk alone. Oh là bas, je vais pas être le meilleur exemple. Bon, on m'a recruté parce que j'ai insisté. Ça fait 15 ans que je suis sculpteur professionnel. D'accord. Et avant, vous étiez... Chez Rakam. Française qui a fait de la miniature entre 97 et 2005. Ça va. Et aussi, je veux savoir si c'était vraiment quoi votre travail. Enfin, je veux dire, vous sculptez des figurines, mais en quoi ça consiste, ouais, ça. Donc, alors, justement, c'est de la sculpture de figurines. Il y a quelques années, c'était que du physique. C'est-à-dire qu'il fallait prendre la pâte et de la modeler pour faire une figurine plus soulevée. Et maintenant, ça consiste à essentiellement passer du temps derrière l'ordinateur pour sculpter digitalement, pour en faire du moule plastique, tout simplement. Est-ce que vous avez déjà sculpté des trucs pour Citadel ou Game Workshop? Ouais, j'ai sculpté deux des cultistes et... c'est quoi leur nom? Le Chaos Demon Engine en français? Pas, hein? C'est le Mauler Thing. Merci beaucoup. Moi, mets ça sur un site officiel Games Workshop, hein, sinon ils vont me couper les oreilles. Ok, salut à tous et à toutes, on est au Game Workshop de London, les gars. Bon, à Oxford Street. Bon, là, c'est plus ou moins un peu tout. Ce qu'il y a, c'est Blue M tout seul, les autres sont pas avec moi. Donc, je suis tout seul. Voilà. Là, c'est les tables. Franchement, il est beaucoup plus grand que celui de Bruxelles, je sais pas si j'ai déjà été, celui de Lille aussi est plus petit. J'ai été vraiment beaucoup, mais bon. Alors là, on a le livre des règles, on s'en pond, hein. Donc si quelqu'un peut m'aider, je sais pas vraiment si c'est plus cher ou moins cher. Donc par exemple, le livre des règles, c'est 45 pounds ici, enfin 45 livres, et normalement c'est 61 euros. Donc voilà, là on a un peu tout, les codex, le nouveau. Voilà. Tous les seigneurs, la Black Library, beaucoup plus grande, c'est de modélisme, les ordinateurs, toutes les peintures, The Dream, les gars, The Dream, les nouveaux Boy Dwarf, en anglais évidemment, hein. Et donc voilà, et ça c'est bien, je trouve, ils ont des endroits de peinture, mais vraiment bien. Par rapport à ceux de Bruxelles ou quoi. Ah tiens, ils ont gagné un Golden Demon, j'avais pas vu ça. Ils viennent mon peintre, leur affaire la rock ici. Enfin, ces démons sont vraiment bien. Franchement, ils viennent vraiment bien. J'aime bien comment ils les ont peints. Enfin, ça donne vraiment bien quoi. Bon allez, ciao les amis. My shallow heart's the only thing that's beating.